Le transport aérien, une compétence vitale pour la Nouvelle-Calédonie, tant pour la desserte internationale que pour le transport intérieur. Deux chiffres en attestent, 567 000 passagers sur les vols internationaux, 487 500 pour les vols domestiques. Cela sans évoquer les volumes importants, essentiels du fret. Le secteur représente également 1500 emplois directs. Pour autant, les deux compagnies publiques restent largement dépendantes des aides de l'État. Que ce soit via l'accès au crédit ou par les mécanismes de défiscalisation pour le renouvellement des appareils. Ainsi, la compagnie Air Calin a-t-elle bénéficié de 9,3 milliards pour l'achat de 3 Airbus entre 2018 et 2020. Par ailleurs, les deux compagnies ont pu bénéficier du PGE, prêt garanti par l'État, 4,8 milliards pour Air Calin, 500 millions pour Air Calédonie. En outre, l'aéroport de la Tontouta bénéficie d'un apport annuel de l'État à hauteur de 717 millions, soit 60% de son budget. Comme le souligne le document, dans l'hypothèse de l'indépendance, la Nouvelle-Calédonie devra prendre en charge le fonctionnement de l'aéroport. Plus globalement, la vocation internationale de la desserte de la Nouvelle-Calédonie dépendra de la reconnaissance par les pays desservis du respect en ces matières de standards internationaux élevés. À savoir que dans les domaines de la sécurité et de la sûreté, Japon, Australie et Nouvelle-Zélande sont notamment sur ces sujets très pointilleux.